Hello les fleurs! Coucou! On vous retrouve aujourd'hui pour nos vidéos du mois qui sont toutes les deux en lien avec Pâques. Ouais. Voilà, donc on espère que ça vous plaira. Sur cette chaîne, on va faire trois petits challenges. Le premier, ce sera un maquillage. Ouais. De... On sait pas trop comment on va s'en sortir, mais. maquillage de Pâques. 3 minutes. Voilà. Après, on va faire le Chubby Bunny que vous connaissez sans doute avec. Les chamallows et enfin une revisite du challenge où on doit se mettre des cotons dans un bol sur la tête. Je pense que cette vidéo va être complètement... J'aime beaucoup juste l'explication, on doit se mettre des cotons dans un bol qui est sur la tête. Mais pourquoi? C'est cela. Donc en gros ça part à part direct avec Pâques, les cotons, mais on se dit ça fait des petits œufs, un petit nid. Voilà. Voilà. C'est parti! Allez! On commence avec le make-up, je vais maquiller Fleur en 3 minutes top chrono. On précise qu'on va essayer de rester avec le maquillage pour toute la vidéo, donc c'est bien, on va voilà, ridicule. Ah! Bobo! Désolée. Et pour toute la vidéo suivante qui sera sur ma chaîne accessoirement. Donc à partir de maintenant, je ferme les yeux. Je sais pas trop où vous êtes. Là, c'est bon, ils sont là, ouais. Allez, c'est parti, je lance le chrono. C'est bon, je suis bien placée? Ouais. Oh, oula, oh mon dieu. Oh non, c'est gras en plus. C'est très désagréable comme sensation. Je pense que c'est un jumbo pour les yeux qui est clairement très gras. Et qui sent bizarre un peu. C'est pas un produit que je connais ça. C'est un produit NYX si je ne me trompe pas. Attends, il reste 38 secondes, il est temps de dégainer ce soir. Oh non! Ah bah si on avait un doute. Un doute, il n'y a plus. Je pense que je suis une carotte donc. Attends, il me reste 16 secondes. Que puis-je faire en 16 secondes? Je ne sais pas. Bah, ajoutons un petit détail. Ah si, je sais. On va rajouter de la paillette. Oh non! Voilà. On n'a jamais trop mais de paillettes. Mais c'est mouillé ce truc? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour le coup, la cise morte, c'était mieux avant. C'est pas grave. Elle va se venger, j'aurais dû le faire après. Oh mon dieu! Et on en parle de... D'accord. Le ruban fait beaucoup, non? Absolument, hein? Oui, ça finit, ça parfait. Voilà, ouais. Final touch. Non mais les petits cœurs, c'était mignon, mais ouais. Par contre le caca de paillettes. Oui, c'est pour ça, la cise mort, j'aurais pas dû, tu vois. Écoute, on est dans le thème. Oui. Allez, c'est parti. Souvenez-vous de moi avant. T'as mis le chrono? Oui. Il y a du crayon gras. Ouais, on est parti pour... Oh, mais ferme. On est parti pour 3 minutes, donc. Oh mon dieu, ça sent le lapin, tout ça. Je pense que Fleur a gagné. Oui, j'ai un point. Non mais je suis un bel œuf. Oui. Cela dit, c'est plus comment on dit, figuratif. C'est de l'art abstrait. Mais fais voir tes oreilles. Délie. C'est un petit air tatéma.
Donc je pense qu'on part sur un zéro. Oui, 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 le point à fleurs. Alors deuxième challenge, ouais. Normalement ça se fait avec des cotons, mais nous on va faire ça avec des chamallows parce que c'est aussi léger et je pense qu'on n'a pas trouvé de coton. Et qu'on n'a pas trouvé de coton. Vous savez, est-ce que vous voyez vous les cotons boules qu'on a dans les salles de bain de mémé, qui sont souvent en couleur le pastel mais... Moi je les aimais trop hein. Mais oui moi aussi, mais genre, ça ne sert à rien. Non, clairement. Voilà, c'est décoratif. C'est beau. Et du coup on en a pas trouvé. Donc le but chamallow. Du jeu c'est de prendre avec une cuillère le plus possible de chamallows et de les mettre sur le bol qui est sur notre tête. Voilà. Donc on va faire ça évidemment les yeux fermés avec un temps restreint et la personne qui a réussi à mettre le plus de chamallows à la fin du temps gagne la manche. C'est cela même. Et en fait le truc c'est que quand on prend les chamallows on sent pas trop quoi, c'est tellement léger. Vous allez sûrement nous voir mettre plein de chamallows imaginaires dans le bol. 1, 2. J'ai pas le droit de mettre les doigts pour prendre. Non, on n'a pas le droit de doigts. Ok, vas-y. Tricheuse. 1, 2, 3. Ah, je crois que j'en ai un ou deux. Allez, les chamallows. Ah putain, oh, on aurait dû mettre le panda. Allez, maman, avec le mec. Bon, on va pas les manger après, en précis, ce sera pas les chamallows du chevibéni. Eh, si, j'y arrive, je crois, non. J'ai l'impression que mon bol il est plein. Ça se trouve, les billes, il y en a deux. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas du tout de partout. Encore 23 secondes. Oh putain, mais j'essaie de faire. Oh, désolé. Oh, j'essaie de faire vite. Et du coup, il n'y a plus de chamallow. Si, si, il y en a encore. Heureusement qu'on avait pris un paquet plein. Mais il ne rentre plus dans mon bol. Mon bol est trop plein. Elle est en train de se catapulter. 5. Hop là. Vini. Eh, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chamallows et à peu près 1 500 000 par terre. C'est parti. Ah ouais, c'est pas du tout la même technique pour le coup. Toi, tu t'appliques à mort. Non mais c'est super dur, on sent rien. Non mais tu t'appliques toi. Moi, j'étais vraiment en train de jouer, mais... Toi, tu t'es catapulté. Moi, j'avoue, toi, il y en a nulle part en fait. T'en mets nulle part des chamallows. Bon, je dis pas non plus qu'elle va les prendre, hein, mais... Elle joue à la dinette en fait, Fleur. Là, il y en a plein qui viennent là. Ah oui, il y en a plein qui viennent là. Tout va bien. Tout va bien, elle a emmené le saladier. Tu veux pas tenir le saladier? Si c'est bon, je le tiens, t'inquiète pas. Il reste 15 secondes. Oulala, oulala, oulala. Voilà, là c'était ma technique. Ce qui en met 1 000 000 partout. Attends, comment on fait pour arrêter? Alors voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle m'a éclaté. T'en avais combien? 7. Oh. J'ai perdu. Bon, et eh bien le dernier challenge, c'est le Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Donc c'est un challenge que vous avez pas vu sur mon pilote. Les gens ils sont trop. Voilà, comme d'habitude on arrive après la guerre. Mais comme l'a dit Fleur, je sais plus quand là, c'est le moment ou jamais de se prendre pour un petit lapin. Oui, surtout toi. Ah oui, je sais pourquoi, je ne vois pas, de quoi tu parles. J'avais toujours rêvé d'être un œuf. Moi je me suis fait déjà manger, je me suis fait. Bah tiens, tu vas prendre ta dose d'œuf, tu vas voir dans la deuxième vidéo. Oui. Donc, nous avons des petits chamallows Emma qui sont trop mignons. Qu'on a ramassé par terre. Mais pas du tout. Regardez. Regardez, petit canard, petit lapin. Non. Ils sont pas trop choux. Oui. Mais ils vont pas le rester, moi, je te le dis. Moi, ça me fait un peu peur parce qu'à chaque fois que j'ai regardé ce challenge, les gens bavaient. Je trouve ça dégueulasse. Oui, ça risque. On a prévu le sopalin. Le principe, c'est qu'en fait, tour à tour, on met un chamallow dans la bouche et on doit prononcer Chubby Bunny. D'accord. Et à partir du moment, j'ai dit d'accord. D'accord. T'as compris? Ok, tu suis, c'est bon. Et du coup, je crois que je dis ça avec mes élèves, c'est d'accord. Et du coup, à partir du moment où on peut plus dire Chubby Bunny ou on peut plus en mettre dans sa bouche, bah, on a perdu. Très bien. Faut savoir que Fleur n'aime pas les chamallows. Déjà, de base. Mais ils ont pas vraiment goût de chamallows, ils ont un peu un goût de vanille, tu vois. D'accord. Commençons. Après toi, très chère.
Ah ouais, mais je peux enlever ça? Ouais, allez, admettons. Non, mais si ça ouais, t'empêche d'ouvrir. Ça m'empêche. On le remettra après. C'est pas grave. Mince alors. Attendez, parce que. C'est parti? Oui. En fait, le tout, c'est de bien s'organiser. Oh, j'ai déjà où je peine. Chubby Bunny. Et on n'a pas le droit de les manger, hein. Voilà. Chubby Bunny. Tout. Ah, ça tire. Mais j'ai jamais envie de ça. J'en ai un, j'ai déjà la bouche pleine. Je lui avais dit que j'allais l'écraser à ce challenge. Bon, petit souci de carte SD, nous revoilà avec un chamallow un petit peu fondu, forcément. Mmh. C'est donc à c'est toi. C'est mon deuxième. Vas-y, je t'en prie. Chubby Bunny. Wouh. Chubby Bunny. Il a fondu un peu celui-là. Je sens que c'est le chamallow de trop là. Chubby Bunny. Pardon, j'ai pas entendu. Tu disais. Accroche mon retour. Je me mets. Je me prends des crachats de chamallow. Ok, on va dire qui compte. Je suis Bunny. Me bave, je suis comme ça. Alors, je vomis. On n'a pas le droit de manger. Hein. On mange pas. Quatrième ou où tu rends les armes? Je crois qu'elle rend les armes. Ah, j'ai gagné! Mais c'est trop dur! J'ai mis 3, juste pour voir combien je peux en mettre. Mais je t'avais dit, t'es nulle, t'as une toute petite bouche! Enfin, non, t'es pas nulle, c'est pas toi, mais t'as une toute petite. T'as pleuré! Mais oui! Bon. Je pense que clairement, j'ai craché du chamallow sur tout le. Oui, je pense qu'il y en a partout. Donc, chemin venu, 4. Je vais baigner. Non mais c'est ouf, encore. Je vais baigner. Encore. C'est compliqué. C'est fort le chamallow. Quand on rigole, c'est pire parce que ça ressort. Froufrou. J'ai gagné, mais au final, t'as gagné parce que t'en as gagné 2 challenges sur 3. Ouais, mais le dernier, j'ai été quand même bien écrasée. Hein. 3 chamallows, les gars. Ouais, mais t'as une mini bouche. Tu veux réessayer? Juste toi toute seule? Mais je serais pas capable. 3 déjà, regarde. Mais 3 ça fait petit. Vas-y. Regarde, ça fait petit. Regarde, je vais y arriver. Mais aussi je rigole et plus je rigole, plus ça ressort. Concentration extrême. Challenge 4 chamallows dans la bouche de fleur. 1. Chubby Bunny. Chubby Bunny. On sera jamais autant concentré en vidéo. 2. Chubby Bunny. Oui. Elle est 3. Mais c'est plein là. Mais non, regarde, t'as encore l'autre côté. Voilà. Non, arrête de cracher du chamallow partout. Donc Chubby Bunny. Oui. Allez, enfourre-toi le chamallow. Sur les côtés là. Fais le hamster. Là t'as de la place encore par là. Ouais, fourre bien dans le côté.
jardin. Tiens, crash. Ça passe. C'est dégoûtant les chamallows. Et encore ceux-là, hein, ça a le goût de vanille, donc ça va. Mais en fait, je crois que c'est au-delà du goût, c'est de la texture que j'aime pas du tout. Moi j'aime bien, mais là pour le coup, ils sont bons hein, en plus ceux-là, mais là c'est un peu too much. Oui, on colle, on pègue. Hein. Hein, on pègue. Est-ce que vous connaissez le verbe péguer? Ça vient du sud, voilà. Ça vient de là-bas. On colle, on pègue. On va s'essuyer. Attends, non, on s'essuie pas, tu conclus. Allez, on finit en pégant. Cool. Et puis ça, après, ça crache du chamallow, ça a une tête de... Je crois que j'ai craché partout. Une tête d'œuf. Une tête d'œuf. Ah oui, t'as une tête. Ah, c'est craché dessus. Attendez. Très bien. Ça serait bête de pas conclure comme ça. Ah bah oui. Parfait. Bon, et bien sûr, on espère que cette succession de challenges tout à fait honorables vous auront plu. Nous, on a bien rigolé à les faire. Ouais. Et voilà, on vous retrouve tout de suite sur la chaîne d'Emily pour la deuxième vidéo. On vous la mettra en barre d'infos comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à nos deux chaînes. Et puis, en attendant de vous retrouver le mois prochain pour des nouvelles aventures, on fait plein de bisous. T'as même pas dit ce qu'on allait faire sur l'autre chaîne. Non, dis ce qu'on va faire sur l'autre chaîne. Et sur ma chaîne, on va s'éclater des œufs sur la tronche. En fait, c'est sous forme de test d'amitié un petit peu. En se posant des questions, et si tu as faux, je t'éclate un œuf. Il y en a 5 durs et il y en a 5 crus. Donc voilà, ça va être n'importe quoi. Donc on vous retrouve tout de suite et... On vous fait des gros bisous. Ciao ciao. Prends une poignée que tu vas lancer mais sans qu'on voit tes mains, genre comme ça, bout. Tu vois? Donc mes mains ça va être là. Ouais. Et prends la pause. Genre tu trouves ça. 1, 2, 3. Je crois que ça va le faire. Au pire, on pourra toujours laisser ça dans le bêtisier. Si vous vous êtes déjà demandé comment les youtubeuses faisaient leurs miniatures. Et ben voilà. Voilà. Ah oui, comme ça, c'est vrai. C'est dur, hein? Eh, ça pourrait faire un challenge.